Putain, j'allais m'étouffer. Yo les fous, ici Zach de retour pour la suite de. J'allais dire le mauvais nom de jeu, mais c'est Obscuritas. Bon, allez, c'est parti. N'oubliez pas de like, de partager et d'écrire dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous demande. C'est quoi ce bruit? Putain de merde. Putain de merde. J'ai une tête de cheval que j'ai pris. Je sais pas quoi le chat elle sert honnêtement. Mais j'ai une tête de cheval, ça j'aime pas ce jeu, il fait trop peur. En plus, mon PC n'est pas puissant pour le rouler. Déjà, fait que là j'ai des bugs. Putain, j'aime pas le fait qu'il y ait le téléphone là. Là, j'ai peur, les gars. Le stress qui embarque. C'est pas comme si ce serait vous qui serez derrière l'écran. Mon jeu, j'aime tellement pas ça. Colin. Cool, on a trop des allumettes. Ah, mais celui-ci, on peut pas l'ouvrir étrangement. Putain, ça m'a fait le son. Ah, là-bas, y'a une clé. Donc, on a la clé qui ouvre. C'est bon, quelqu'un vient de chuchoter. Yo, c'est quoi ce jeu malsain? Bismillah. Oh, on est déjà venu. C'est sûrement la pièce qui est derrière ou c'est là que ça va s'ouvrir? Ouais, c'est sûrement la pièce derrière. Une autre pièce. J'ai des frissons. Les gars, j'ai vraiment. Attendez une seconde, on va appuyer pause. Oula, ok. J'ai vraiment des frissons deux secondes. Tabarnak. J'ai vraiment des frissons. Je prends juste ma petite couverte. Tu fais quoi avec une couverte? Un doudou ou une couverte, whatever, parce que je suis un petit peu frileux. Quand je game, j'ai toujours une couverte sur les jambes. Et non, je vois déjà en train de penser à avoir une idée en tête, bande de pervers, mais non. Oui, c'est vrai, on m'a demandé d'arranger ma caméra qu'elle était pas assez centrée, alors du coup, voilà. Là, je pense qu'elle est centrée. Yeah. C'est bon, allez, on peut y aller. C'est parti en fin de jeu. Bon, alors ce qui est sûr, j'ai une tête de cheval. Je déteste les araignées. Pourquoi tu dis je déteste les araignées? Je déteste les araignées. C'est assez drôle que ma mère rentre dans ma chambre et commence à gueuler. Bah, oula, ce serpent est vivant.
des poissons partout. Nous trouvons des poissons. Ça, je dois sûrement amener l'autre part. Allez, on y va. C'est vrai qu'il vient d'être brisé. Il y a un truc qui vient de briser. J'ai la chienne. Ah merde, me dis pas que c'est des araignées. Et là, je suis vraiment bloqué par contre. Ils sont où les araignées? Ouais, je suis pas mal silencieux. Désolé, ça s'appelle avoir peur. Ah ok, il est là, ok, il y a une clé, bon bah. J'ai rien dit, je trouvais ça juste étrange. Si on ouvre cette porte, sinon l'autre local. Oh mon dieu! Pourquoi il y a des poupées comme ça dans la maison? C'était pas bizarre. Ça me tient un jeu de puzzle. Ah, ok, je viens de comprendre. Ça, il me fait beaucoup trop peur. Regardez-le comment il fait peur. T'as la main. Oups, ok. Ok, non, là, c'est le cheval, ok, ouais. Ah, le que j'ai mis là-bas, il était bon. J'ai mal vu. Hey, j'entends des voix chuchoter. Je sais pas si vous l'entendez. Et j'ai le goût de me gratter les couilles. Sauf que je sais déjà qu'est-ce qu'il va y avoir. Je vais appuyer pause parce que j'ai peur que... Non, je regarde là. J'ai peur que... Putain. Pendant que je me gratte... Putain, ça me gratte partout sous le corps. What the fuck. Surtout que j'ai goût de me gratter les couilles. Oh là, ça ressemble à un vrai griffon. Bon. Comment on n'a pas déjà les chevaux avec des ailes? Là, j'ai peur de ce qu'il va y avoir ici. Avec le putain de marionnette. T'es mieux de pas bouger quand je mets la tête de cheval, toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi ce bruit là? J'ai des frissons encore. On va voir le local. Faudrait peut-être que j'ai déjà le jeu tellement que j'ai.
Non, je suis vraiment coincé. Et s'il y avait une table. Ah ouais, la cuisine. J'ai oublié la cuisine. Celle-là. Non, je sais pas qu'est-ce que j'aurais bien pu débloquer là en activant les putains de têtes, mais on va voir. Bon, apparemment le jeu devrait me quitter après 5 minutes que je sais pas quoi faire. J'ai dit en temps normal. Non, je sais pas où quoi faire, c'est un putain de puzzle ce jeu-là. Putain, un vrai puzzle. Un truc à faire ici, mais j'ai pas remarqué. Peut-être vous avez remarqué quelque chose, mais moi non. Peut-être c'est juste dans le noir qu'on peut le remarquer. Putain, je sais juste qu'il y a cette marionnette. Pas retourner en arrière, ça serait pas logique. Il y a un bruit dans cette salle-là. Non, ça a l'air que je suis pas capable de résoudre ce qui va arriver ici. Putain. De merde. Je vais péter là, je sais pas quoi faire. Non, on sait pas. C'est ça, c'est dans cette salle. J'ai rajouté le truc, puis. Non, j'ai vraiment pas d'idée, je le vois nulle part. Qu'est-ce qu'on aurait bien pu débloquer? Qu'est-ce que j'ai raté? Énigme de mes fesses. C'est ce que j'ai ici.
On est un tout. Oh, c'est quelque chose qui arrive, non? Non, je sais vraiment pas. Bon, bah, ça veut dire que peut-être faut arrêter la vidéo là. Je suis en train de bugger, je vais pas tourner en rond pendant 50 minutes juste pour faire plaisir à vous là. Bon, bah, écoutez, on va refaire un dernier tour dans une autre salle. Dans les deux dernières salles, si je trouve rien, on arrêtera ça là. Moi, j'ai rien remarqué. Si vous avez remarqué quelque chose, dites-le dans les commentaires parce que moi, non. Le tiroir du bureau s'est ouvert. Le tiroir du bureau s'est ouvert. Ah ben, tabarnak. Fallait qu'elle le dise. Putain, elle l'a dit maintenant. Le téléphone va sonner, parce que là j'ai des frissons. C'est quoi ce bruit là? C'était quoi ce bruit là, tabarnak? Putain, j'ai déjà pipo, c'est vrai que c'était fort. Qu'est-ce qui se passe? Gros, j'ai des frissons, c'était quoi ce bruit-là? J'ai presque gueulé, tabarnak. Je pense que j'ai appuyé pause. Bon, ben on vient de finir au moins. Tabarouette. On aura la suite pour demain pour vous. En tout cas, les fous, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, comme d'habitude, je vous le demande, de partager la chaîne. Parce qu'on va essayer d'atteindre les 600. De partager la scène et puis d'écrire dans les commentaires quelque chose que vous souhaitez me communiquer. Alors je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Ici Zek. Ciao ciao les fous. Prenez soin de vous.